Okay. Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes chaud les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour un guide sur le petit Shaco AP. Donc écoutez les gars, Shaco AP est un des picks que j'affectionne particulièrement. Je l'ai beaucoup joué, c'est un perso très fort pour le coup. On est en duo Q, en flex avec 7 mute all. Voilà, gros big up à lui. Mais j'ai été B. Mais j'ai été B1. Ok, ok, t'as déjà été B1, ok. Donc on commence par mettre la box là. Donc niveau box les gars, donc comme vous connaissez Shaco, on commence par le spell de la box pour les clear. Donc pour le clear en fait on va mettre deux box sur les corbins et une box au raid. Première box on va la mettre à 50 il me semble. Yes. Little. Voilà, donc on en met un là. À 50, la deuxième juste ici, dans le coin les gars. On fait vraiment deux arcs de cercle. Et là, la prochaine box, on la met juste ici pour quand il pop. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper le raid. Et les corps, normalement, tous les petits vont se faire tuer. Et le gros, on va le smite. Et j'ai rien perdu de mes talents de Shaco. C'est comme ça. Ah 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 ah. Ouf. Tendu. C'était tendu, c'était tendu. Faire attention avec vos poules les gars, sur ça. Avec Shaco AP. J'arrive pas derrière lui. Voilà. Parfait. Le premier pool du raid est un peu complexe avec Shaco les gars. Faut le savoir. Il est un peu chiant, c'est... Parce que vous avez vu, en fait, ça, si le mec met une auto en trop, il va tout simplement... Il va tout simplement reset le raid. Donc bon. Faites très attention que vous le faites. On met la dernière box pour finir. En soi, on pourrait même aller gong top, mais... Parfait. Passe le 3. Ok, on s'est fait une vite par le Wukong. Yes, pas de soucis. Et le Kong Kong est là. J'aurais même pu ouvrir Gang Top au final. Ouais, la botte c'était vu. Hein. Ouais, bah là, je peux pas venir. Hein. Je peux pas venir et je peux rien faire. Hein. T'inquiète, horreur. C'est bon, t'inquiète, c'est pas grave. Yasuo ADC. Ouais, Yasuo ADC, c'est spécial un peu. Donc là, on va se prendre le double carap rapidement. Petit. Donc en vrai, c'est pas grave. C'est une vite par le Wukong. Ok, on... Et bon. N'empêche, on va prendre le double carap. Je pense pas qu'il, va, qu'il puisse nous caisser. Regardez. Regardez ce qu'on va faire. On va, se prendre, on va essayer d'innover de son blue quand même. Moi je peux me barrer très facilement avec Shaco. C'est bon, on va essayer de faire ça, plus de gong top. Ok, c'est bon pour l'instant. Ok, on va max les box les gars, donc pour les gongs, hein, vous connaissez Shaco. Ok, on retourne farm parce que là, le premier bac que je vais faire, les gars, c'est le chapitre perdu. Pas très grave, en vrai, ça a mis bien la... Non, elle le tue, hein, s'il fait trop le fou. Ouais, attention, quand même. Bon, pour l'instant, la game se passe assez bien. Ah, 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 ah.
viennent vers moi. C'est bon. On est safe. Sotan. Voilà. On peut y stocker tranquillement. C'est parfait. C'est parfait, c'est free. La Gwen qui se prend un kill sur ça. Ouais, je suis sûr que c'était Lukong. Lukong est là, attention, hein. Ok, il a pris en plus ce brillance WP Long. Faites attention, moi je suis pas là. Je suis pas là, moi je peux pas faire grand chose, les gars, faites attention. Donc, Shaco, vous savez, par contre, le problème en early, c'est que c'est très compliqué de faire les Drake. Parce qu'il faut attendre le level 6. En level 6, Shaco ne peut pas faire les Drake et encore plus AP. Parce que nos dégâts sont sur les box et le E. Alors que Shaco AD, c'est les auto-attaques. Et pour le Drake, pour le coup, on allait voir qu'on sera pas un gros tueur de Drake. Ok. J'arrive. Allez. Là, vous allez push. J'arrive, j'arrive. Jure, je meurs, oh là là. Je pensais pas mourir pour le coup. Okay, j'arrive, j'arrive. Bien wesh, bien wesh. Ok, regarde. Ouais, bien joué, bien joué, bien joué. Pof. Oh là là. Oh là là, on se joue de leur gueule. On se joue de leur gueule, mais c'est impressionnant. Ce plaisir que t'as dans chaque... quand tu joues Shaco AP quand même. Mais mec, je me joue de, hein, pour être long, c'est long, quoi. Malheureusement, la Gwen là, se fait un peu souiller. Au top, elle peut rien faire. En même temps, elle se fait camper par Lukong. Non, c'est pas grave. Ah, dommage. Moi je pense que j'ai plus de jungler top side d'ailleurs. Je peux pas me permettre d'aller le contest pour le coup. Wukong il est en 3-2-2, il est assez bien. Moi j'ai beaucoup de gold à prendre. Bien wesh. Très bien ça. Nous on a un 4-3, donc là, autant dire que dans la game, on est super bien. Regardez, on va juste mettre une box, aller voir la vitesse où ça va aller. Et en plus, on se heal. Oh, c'est beau. Un allié a été tué. Vous savez que Wukong, il ne me revient pas. Êtes-vous au courant que Wukong, je le soulève. Mais quand même avec des champions. Hein. Oh, j'aimerais trop qu'il soit là. Voilà. Et ouais, ouais. Ouf, ça fait mal. Oh tiens, je bug, je bug, je bug. Ok.
Je lui prends. On a la box à pour protéger. Ah ouais, je suis un chien. Oh, je suis un chien dans cette game, regarde-moi ça. Salut! Regarde les dégâts. Oh. Elle est pas contente. Bien wesh. Attends, recule vers moi. Viens dans mes box, viens dans mes box. Joue dans mes box, c'est très important là. Là, va falloir jouer dans mes box tranquillement. Et tu vois que tout ce que tu vas faire va se réaliser dans mes box. Là, on a deux box là, c'est très important de jouer avec. Ok. Ok, très bien ça. Voilà. Oh, péché. Oh my bad. Oh my bad, j'aurais dû. Oh, my bad. J'ai trop mal joué, franchement. Là, on va commencer les placements des box. Ça va être très important. Et là, donc les gars, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, dans toutes les entrées qui commencent par le Drake, on va mettre des box. Donc, on va mettre une là, deux là, deux là, et après, dans chaque bush. Pour grand partout. On va en mettre une aussi ici, très important cette box, pour les empêcher de prendre la plante. Alors, regarde ça. Voilà. Je vous l'ai dit, joue avec mes box. Joue avec mes box là. Très bien, très bien. Bien, ok, bien joué. Attention, Panthéon, Panthéon là. Joue avec mes box, les gars. Très bien, bien joué. On a setup le fight comme il fallait. Super, là t'as super bien joué. Hein. La Sotana, t'as super bien joué. Ça, en fait, il faut vraiment que tu joues avec mes box. Les box sont vraiment big. Faut pas hésiter à jouer avec. Là, t'as vu qu'il a rien. Lugo n'a rien pu faire. Il était entouré de mes box. C'est-à-dire que chaque WAP, putain, faudrait que je le rejoue plus. Je te jure que j'ai vu des irons, c'est pas ça. Et. Et tu es la foudre, tu es surtout. C'est fini pour toi, pas la peine de courir. Oh là là, ce Shaco AP. Oh, ce Shaco AP qui les mange, mais je les mange. Parce que là, ça va être très important de pouvoir setup la shore. On va aller tuer ça. On va ping. On va ping quand on a envie d'aide. On leur dit ça. Là, après, cette box-là est très importante. Ça les empêche de pacher. Celle-là, c'est la même chose. Ensuite, on va en mettre en fait tout autour. On fait vraiment un champ de protection. Surtout que à Bailo, c'est très fort, Shaco AP, pour une très très bonne raison. C'est que Shaco AP, on oublie souvent que le dewarder, ça le bute. Sauf que le dewarder, faut savoir l'utiliser quand même. Ok. Ok, c'est bon. On se joue deux, on se joue deux, les gars. C'est très bien ça. On remet des box, on remet des box. Bon, on ne pourra pas faire le nage pour l'instant. C'est très bien, on fait pas mal de kills.
On va laisser, ça va être un peu du grid là si j'y vais. On l'a vu le Panthéon. Et on peut le chercher. I box break. Parfait, une box là. Attention, là par exemple ne va pas dans leur jungle. Surtout que bon, on a plus de T1. Oh la pute. Là. Voilà, c'est là le counter un peu les gars. Ouais, il retient mes box. Ouais, fais gaffe là. Putain de merde. Voilà, ouais, c'est bien ça. Parfait. Allez, là, là. Parfait. Regardez, on se barre. Là, par contre, il faut que je back. Hein. C'est bien. Là, faut se barrer, faut se barrer. Laisse tomber. On leur laisse, on leur laisse. On leur laisse, c'est pas grave, c'est pas grave. Y'a rien. Je mets une petite box là. Tranquille. Gridons pas. Moi, j'ai une grosse interruption de ma tête. J'ai pas trop grid. Alors là. Ah! J'aime pas ça. Voilà, ils sont nuls. Ah, il m'a flash. Ok, oui, très bien. Mettre ça là. Très bien, très bien. Ok, très bien, très bien. Oh putain, on va courir. Oh putain, c'était de la merde. Col de merde, putain. On aurait dû le dire. Là, ok. On commence gentiment à setup tout ça. Ah. Bienvenue. On se met une box là. Et il se barre, il se barre. Ok, j'ai une box là, ouais. Ok, c'est bon. Une box là. Oh là là, c'est bon. C'est bon, regardez, c'est bon ça. Jinx qui commence à être Jinx, voilà. Voilà, c'est free. Là, la game est free. Hein. Pas mal pour l'instant, donc je peux essayer de venir. Ouais, TP de Ryze, c'est une belle TP ça. Je recule quand même, j'ai pas peur de fou. C'est parfait. Là, vraiment, faut que je protège la Jinx à mort. Ok. Oh non, mon couteau s'est pas mis. Mon couteau s'est pas lancé, les gars. Vous avez vu? J'ai eu l'animation pourtant. Ouais, bon ben, Zeri vient de m'apprendre un peu à parler français là. Non, il faut attendre, il faut juste attendre Jinx, hein, pour faire un achat.
dit que c'est notre source de dégâts dans l'équipe. Et... Allez, je vais envoyer, voilà, j'envoie par là. Ok, ça fait ça pas mal. Ok, on fait des dégâts, on fait des dégâts sur moi. J'en fais un Wukong, j'en fais un Wukong. Ok, Gwen qui arrive par derrière, les gars. Je les enferme. C'est bon. On est des finishers, les gars, avec Shaco. On est des finishers. Et des gros finishers. Bien, la game est tendue. Là, par contre, on va faire très mal. Ok, c'est pas mal. Ça fait des dégâts. J'ai pas encore mon clone, attention. Parfait. Oh, il est belle. La box, vous voyez, les gars, c'est bien de TP en arrière avec Shaco. TP dans le bac pour mettre une belle box. Oh, my bad. Là, c'était un peu trop. Après, en vrai, c'est parfait. En vrai, j'ai bien tempo, les gars, pour Nash. En vrai, c'est worse. Oh oui. Ouais, le perso qui détruit tout. Ah là là. Oh putain. Sautane directement. En vrai, il finissait. Hein. Mais bon. GG. Oh là là, ça c'est de la game. Ça c'était vraiment de la game, les gars. Oh putain. GG à toi quand même.